Done that. Pop. Aujourd'hui, en France, 9 enfants sourds sur 10 sont équipés de prothèses auditives pour mieux communiquer. Seulement, ces appareils permettent d'entendre les voix, mais pas la musique. L'Institut national de jeunes sourds de Paris et Damien Quintard mène des recherches pour permettre aux sourds de ressentir les fréquences sonores grâce à un système de vibration pouvant à terme être installé dans des salles de concert. Mais cette démarche a un prix. Pour financer cette avancée majeure pour les sourds, l'INJS emprunte une démarche artistique en lançant l'album Sourd. La première campagne de dons qui ne vous coûte rien, mais qui peut changer les choses. Disponible sur Spotify, chaque écoute rémunérée par la plateforme est convertie en don pour la recherche. L'album est composé de 7 titres vides, mais pleins de sens. Jouez cet album, jouez-le en boucle. Ça y est, vous faites un don pour permettre aux jeunes sourds d'entendre pour la première fois un concert. Plus d'infos sur injs-paris.fr. Plus l'album est joué, plus il gagne en visibilité. Plus l'album est joué, plus il génère de dons. Et plus l'album est joué, plus les salles seront équipées. Un album sans son qui s'est fait entendre. Vous voulez des résultats concrets? Rendez-vous sur Spotify et ajoutez l'album à vos playlists.